Parce qu'en gros, pour ceux qui savent pas, en gros, pour ceux qui savent pas, je m'étais mangé un ban de une semaine le 26 juillet, je crois, parce que j'ai dit le P-word. Et ça a eu des conséquences terribles sur mon compte en banque. Vraiment terrible. J'ai perdu. Dites-vous, en gros, dites-vous, j'ai perdu 10 000 euros à cause de ça. Et je vous jure que c'est vrai. Voilà, j'ai perdu 10 000 euros à cause de ça et je vous jure, je mens pas, c'est vrai. Ce simple mot. Donc ça a anéanti toutes les réserves que j'avais pour cet été. Ah, c'est ce petit mot, ce petit instant. En gros, j'avais une OP. En gros, j'avais une OP et l'OP a été cancel à cause du P-word. Voilà, je vous le dis. Ah, je vous jure, en 2023, les gars, ça rigole plus du tout. Ah, comment ça rigole pas? Pff, oh là là, compliqué, hein. C'est compliqué. Donc bon, bah, je le saurai pour la prochaine fois. Je le saurai pour la prochaine fois. Vraiment, c'est deux lettres qui m'ont valu 10 000 euros. T'es devenu tout beau, Yas. Mais en vrai, là, vous trouvez pas que je suis un peu beau gosse, les gars? En vrai, là, je me suis rasé la barbe. Petit bronzage, Punta Cana. Tac, tac, tac. Petit muscle. Bon, ça, toujours pas. Mais en vrai, je trouve que je suis en place. Bon, après, j'ai toujours pas grossi. Je suis toujours pas musclé. Non, je suis pas rasé à blanc. Le rasage est insoutenable. Tu pouvais pas revenir streamer avant. Non, mais les gars, moi, quand je vous dis le mois d'août, comptez pas sur moi. Genre vraiment le mois d'août ne comptait vraiment pas sur moi. Genre vraiment voilà. C'est en vrai qui a envie de stream sous 40 degrés? Là déjà, dites-vous les gars, là à Paris, il fait un temps de fou malade. Vous pouvez pas savoir comment je transpire comme un malade. Là vraiment je stream, mais parce que là je me suis dit peut-être qu'il faut que j'arrête de me foutre de votre gueule. Aussi simple que ça, faut peut-être que j'arrête de me foutre de votre gueule, aussi simple que ça. Merci Prisciano Penaldo. Achète une clim portable. Non, mais après, les gars, ça va. Dans une semaine, il va arrêter de faire beau. Il va arrêter de faire chaud. C'est juste que là, on ne sait pas pourquoi. Là, on ne sait pas pourquoi. Il y a une chaleur de fils de pute, vraiment. T'as bien fait de prendre une grande peau, chef. Profite, t'en as les moyens. Bah, en vrai, ouais. Et puis même, ça, j'ai eu l'occasion de voir mon père. Mon père, qui, vous le savez, il est malade. Donc, j'ai eu l'occasion de voir mon père qui s'est fait opérer. Donc, période un peu compliquée. Je vais pas vous mentir. Donc bref, tout ça fait que aussi avec l'été, les copains, le beau temps, les barbecues, voilà. J'avais juste pas envie de stream, et je vous vois pas du rêve, j'ai juste pas envie de stream. Et même, j'étais quasiment pas sur mon téléphone, mon temps d'écran a réduit, je pense, de 80% cet été. Là, je commence un petit peu à me reconnecter au monde depuis lundi, parce que depuis lundi, je suis revenu à Paris. Donc je vois des joies Twitter. Twitter c'est devenu atroce. D'ailleurs la monétisation Twitter, ouais, alerte info qui a touché 6 000 balles. Ah moi j'ai vraiment pas touché 6 000 balles, hein. Je sais pas comment il a fait alerte info, mais moi en tout cas compliqué, hein. Enfin compliqué, ça va. Ça va. J'ai touché 400 euros. J'ai touché 400 euros grâce à la monétisation Twitter, donc ça va. J'en connais certains, ils ont touché 70 euros. Fait beaucoup de tweets. Eh, hey, mais les gars, si vous voulez voir les statistiques de mon Twitter en ce moment, mais c'est une catastrophe nucléaire, hein. J'ai jamais eu des statistiques aussi basses. Attendez, je sais pas si on peut voir. Là, regardez. Eh, hey, les statistiques de mon Twitter, les gars, c'est. Là, bah, en gros, là, c'est simple. Voilà, Ogu. Enfin. En gros, juillet, j'ai fait des semblants de tweets, genre 141 tweets, quasiment 100 millions d'impressions. Vas-y, on est dans le normal. Auguste, août. Août, j'ai quasiment pas tweet. Ça commence à être la catastrophe naturelle. Et le mois de septembre, on est à peu près sur le même truc. Là, on est à peu près sur le mois de truc. Si je vous montre mon tableau de bord Twitch, les mecs, mon tableau de bord Twitch, là, c'est juste, bah, c'est la débandade, hein. Si vous voulez que je vous montre mon salaire de août, les mecs. Voilà, bah c'est mon salaire de août. Mon salaire. Ouais, j'ai quand même. Ouais, j'ai touché 305 dollars! 305 dollars sans rien faire, mais incroyable, les mecs! Incroyable en vrai! Putain, en vrai, comment j'ai fait? Alors, c'est dû à quoi? Ok, c'est dû à des resubs en fait. C'est juste dû tout simplement à des resubs. Donc, merci aux 200. Aux 195 mecs qui ont resub. Merci les gars. Non mais là si je vous dis, là à votre avis j'ai combien de subs les mecs? À votre avis j'ai combien de subs actuellement là tout de suite maintenant là? Que je vous montre ça fait quoi de pas stream pendant un mois?
En vrai, dites un vrai chiffre. Putain, 450, j'aimerais bien en avoir 450. Ma première fois ici, peut-être aussi ta dernière, parce que je suis pas intéressant, mec. Non, les mecs, alors même là, même moi, en vrai, même moi, je sais pas. Alors, je suis à combien là? Je suis à 201 subs! J'ai 201 subs! Ah ouais, putain, les mecs. 201 subs! Ça va, GG, on a fait les 200, putain, GG! Ah, je suis devenu une merde! C'est critique là, les mecs! Critique! C'est ce que tu mérites en vrai. Ah, moi, les mecs, je le dis, je mérite. Moi, franchement, je le dis, j'ai pas stream pendant un mois, il n'y a pas de problème. L'année dernière, je me rappelle que l'année dernière, j'avais repris les streams l'année dernière, on était le combien? On était le 5. Et j'avais 90 subs l'année dernière. Donc voilà. Tu vas restream tous les jours de toute manière. Bah, je pense. Après, tous les jours doucement. Hein. Tous les jours, peut-être doucement. Ouais, PFUT, il est ban. Je crois PFUT, il a mangé longtemps en plus. Il vous a dit, est-ce que PFUT, il vous a dit, il a mangé combien de temps ou pas? Ou pas du tout. Tom, merci pour le sub. Non. Bon, bah, moi, je le sais, mais. Moi, je le sais, mais vas-y. S'il vous l'a pas dit, c'est pas à moi de le dire, tu vois. Donc, je vais pas le dire. Aussi simple que ça. Mais c'est pas def. En gros, voilà, je vous le dis, c'est juste pas ban définitif. Aussi simple que ça. C'est pas ban. Mais pourquoi il a été ban? Alors, moi, on m'a dit qu'il avait été ban pour DMCA. Et apparemment, c'est pour autre chose. Mais je sais pas pourquoi exactement. Je sais pas pourquoi exactement. Mbappé, Payward. Tirage LDC, UFC. Ouais, Neza, il y a un stream. Ouais. Thomas, merci pour le sub. Ouais, ils se dépassent sub, les mecs. C'est pas cher en ce moment, les subs. Ouais, Romain, merci pour le raid avec deux personnes. Eh, surtout, j'ai un truc qui m'a choqué, les gars. Eh, y a un truc qui m'a choqué, les gars, sur Twitch. Mais Amine m'a tué. Il a plus le monopole du game, en fait. Là, Amine, ça, il a plus le monopole. Je vois. Vous savez comment ça s'appelle, Twitch Office, je sais pas quoi. Attendez. Vous savez comment ça s'appelle, Twitch Office, je sais pas quoi, bref, le truc qui donne des stats ou je sais pas quoi. Eh, y a une gonzesse. Y a une gonzesse, elle s'appelle Camélia. Elle s'appelle Camélia, elle a fait combien? 60 000 subs? 70 000 subs? 70 000 subs, cousin, c'est... Alors, faut m'expliquer qui est cette meuf. Alors, franchement, respect à elle et tout, 70 000 subs, 70 000 subs, tu vois, faut vraiment le faire, tu vois. Pas 70 000 subs, 70 000 viewers, pardon, putain, je suis à ouf. Mais c'est qui est cette gonzesse? Alors, moi, je me suis... Alors, du coup, je suppose que c'est une meuf de TikTok, ok, il n'y a pas de problème, mais depuis quand les gens de TikTok, ils sont aussi engagés? Moi, ça me choque! Moi, ça me choque de ouf, mais attends, elle a combien sur TikTok en plus, cette meuf? Camélia, comment elle s'appelle? On va mettre Camélia TikTok. Camilla 92. Il n'y a que des 2010 qui la regardent. Bah, moi j'aimerais bien que des 2010 me regardent aussi pour faire 70 000, 70 000 viewers. Putain, moi, oh là, mon bonheur, frère. Donc c'est elle. Donc, ok, bon, elle a 2 millions d'abonnés. Elle a 2 millions d'abonnés, ok. Et le contenu, c'est... Je me dis, mais qui sont les gens qui... Merci, Garara. Bon, après, vous dites le néant. Vous dites le néant. Les mecs, mon contenu, c'est quoi? C'est du réac de merde avec des gens qui sub et qui disent prout caca, prout caca. Donc, en vrai, est-ce que je suis apte à juger les autres? Je pense pas. Mais en fait, moi, c'est que j'arrive vraiment pas à m'en rendre compte parce que je pense, les mecs, que c'est juste la vérité. Je pense que je deviens vieux. Je deviens vieux et en fait, je me rends pas compte du nombre de personnes et du nombre de jeunes et l'impact qu'a TikTok. Sur les jeunes, vraiment, je ne m'en rends pas compte, tu vois. Je m'en rends pas compte parce que moi, je me dis, vas-y, TikTok, c'est utilisé, ok. Mais que tous les jeunes de collège, lycée soient matrixés par ça. Je sais pas. Et en vrai, de vrai, moi, j'aimerais trop percer sur TikTok. Tu ressembles à Yas de Radio Sex. Hein, j'ai peut-être un truc à te dire, mais ça va peut-être te choquer, donc je vais te calmer. En vrai, c'est quoi, les mecs, la recette pour percer sur TikTok? Dites-moi s'il vous plaît, je vous en conjure, c'est quoi la recette pour percer sur TikTok? Pour faire 1 million sur TikTok, comment elle s'appelle l'autre? Esperanza, attends. Aussi elle, toujours sur... toujours dans mes bails, dans mes pour toi là, celle-là.
Ah, vraiment, j'ai l'impression que je suis un vieillard, cousin. Regarde, publié il y a une heure. Publié. Bon, là, vous le voyez pas, mais TikTok publié il y a une heure, hein. Il y a une heure. Déjà 20 000 likes. 20 000 likes, c'est 100 000 vues. Quand je vois ma pote se faire d'autres amis dans sa nouvelle classe. Regarde, attends, ça c'est combien? Tu vois, ça c'est. Après, ça, tu vois, c'est. Posté quand? Aussi, ça aussi, il y a une heure! Posté il y a une heure, je suis son copain, je sais absolument tout sur elle. Tu vois, genre, tu vois, des 300 000 vues, des. Tu vois. Mais tout ça, mais gros, 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 gros. Attends, attends, qu'on se rende compte. Non, qu'on se rende compte. Ça, et toute la première ligne, les TikTok ont été postés il y a une heure. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 TikTok en une heure, cousin. C'est quoi ça? C'est ça, en fait, qu'il faut faire pour percer sur ce réseau social? C'est une dinguerie, frère. Oh, ce bon vieux Sadio, comment ça? Ah non, putain, et en plus, c'est des TikTok à chaque fois. Tu sais, il n'y a pas des TikTok qui bident. Parce que moi, mes TikTok, ils bident. Elle, c'est que des TikTok, même, ils sont pas intéressants. Tu vois, ça bide jamais. Commenter une ref que seul votre pote peut comprendre, c'est à chier. Quand ma personne préférée me met un remis, on est à l'époque de Facebook, Facebook 2010, là. Donc, voilà. Le type de relation où les gens se disent ils sont encore ensemble, eux, bon, ok, vas-y. Vas-y. Avoir ses règles à la rentrée, mais c'est. J'ai l'impression d'être devenu un vrai con. J'ai l'impression d'être devenu un vieux con, les gars. Non, par contre, moi je vous le dis, il y a les TikTok qui me régalent, c'est les TikTok de Jean-Paul Manoff quand il bégaye. Ça, c'est mon péché mignon, c'est tout ce que je kiffe. Jean-Paul Manoff quand il bégaye. Ah, ça me fait kiffer. Attends. Quand il raconte n'importe quoi. Ah, ça me fait bien marrer. Oh putain, ce bon vieux Jean-Pierre Manœuvre. Mais Jean-Paul Manœuvre, pardon. Oh non, putain. Attends. Ah, mon PC, il va exploser là. Ah ouais, ça marche pas, hein. Ah, tu veux pas marcher, hein. Qui va sur TikTok déjà, il y a plein de gens, il y a plein de gens qui vont sur TikTok. Le chat, genre, ok, le chat, qui va sur TikTok et qui ne va pas sur TikTok ici? Soyez clair, soyez honnête. J'arrive pas à. Peut-être sur YouTube. Pas moi, non, les gars, vous avez. Pas moi, mais est-ce que vous êtes des menteurs ou pas? Ça me fait rire. Attends, pitou, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Si elle va, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle essaye de se scalper? Est-ce qu'elle veut qu'elle gagne? Voilà. Ça, il y a ça. C'est tout. Ça et les IA. Et les IA, ça c'est marrant, les IA. Attends, je rebondis. Moi, j'ai la personne qui t'aime pas, elle t'aime pas. IA, Attends, il va Pitouvel, vous manquer ne sait pas ce qu'elle veut. Si elle va, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle essaye de scalper? Est-ce qu'elle va gagner? Qu'est-ce qu'il raconte? Voilà. À méditer. C'est tout. Eh hey, mais en plus je savais pas hein. Ah, je savais pas que Jean-Paul Manoff il a eu une vie de fou apparemment. Ouais merci Zets pour le sub offert. Ouais si vous voulez offrir des subs c'est moins cher en ce moment les gars. De toute façon faut que je rush le 70-30. Eh hey, Jean-Paul Manoff apparemment il a fait l'armée et tout. Genre il a eu une vraie vie hein. En mode vie de vaillant de ce qu'on m'a dit. Peut-être que c'est pas vrai. Peut-être qu'on me dit de la merde mais. Putain, ok, Jean-Paul Manoff aussi qui s'est fait ban de Twitch. Qui s'est fait ban de Twitch, je ne sais plus trop pourquoi d'ailleurs. Ça n'existe plus le 70-30, mais si! Attendez, vous foutez de ma gueule ou pas, les gars? Mais le 70-30, le 70-30, il est revenu. Ou peut-être que j'ai encore loupé. J'ai encore loupé. Voilà. Oh, attends, je vais vomir. Ouais, désolé. Désolé, j'ai vomi un petit coup. Non, c'est que j'ai avalé de travers. J'ai
J'ai avalé de travers. J'ai avalé de travers, les gars. Ça va, ça arrive. C'est quoi cette trace sur le t-shirt? Je sais pas, j'ai pas de t-shirt sale. Oh, ça, je suis chez à moi. Méditer. Merci, Mounir. Yass, il y a vraiment des gens bizarres qui m'ont DM à cause de ton canal. Ah, je suis désolé. Ça, je suis désolé. T'as minci de ouf. Tu fumes le bédo? Bah non, mais vous trouvez que j'ai minci, les mecs? Vous trouvez que j'ai maigri, en vrai? Vous trouvez que j'ai maigri, là? J'ai pas maigri. Non, arrêtez. Bah non. Je trouve que je suis pareil. Là, je pèse... Je pèse actuellement 63 kilos. 63 kilos, bon, bah, j'ai toujours été dans... J'ai toujours été dans ce... Dans cet ordre-là, hein. C'est juste que peut-être vous dites ça parce que c'est peut-être la première fois que vous me voyez avec une barbe autant rasée. Parce que d'habitude, je me rase pas autant la barbe. Là, je me rase pas autant la barbe. Mais là, je sais pas, j'ai pété un câble. Ouais, 63 kilos. Bah, 63 kilos, 26 ans, 1m75. Oui, je sais que c'est minable, les mecs, mais bon, voilà. Bon, qui a chopé cet été, les gars? Dites-moi un petit peu la vérité, là. Dites-moi un petit peu... Dites-moi un petit peu qui a chopé, les gars, cet été? Qui s'est mis en couple cet été, là? Putain, j'ai eu encore l'occasion de voir ces 2-3 ordures... De voir 2-3 ordures en vrai sur l'île de Ré, évidemment. Dédicace à vous. Putain, les mecs, j'ai rencontré mon premier hater. Ça y est, c'est arrivé, officiel. J'ai rencontré le premier mec qui m'aimait pas. Et qui me l'a dit en vrai. Voilà, donc je pense que ça peut s'applaudir. Mais vraiment, ouais, j'ai rencontré mon premier hater. J'étais un peu ému et très déboussolé. Très déboussolé. Attends. En gros, en fait, j'étais à une soirée. J'étais à une soirée et genre, en gros, on se présente et tout, nanana, bref. Et en gros, il y avait une meuf et il y avait son mec. Moi, elle m'aime pas, par contre. Et bref, son mec, il était un peu attaqué, tu vois, par la boisson. Et là, son mec, il me regarde, il fait « Mais c'est toi, Yass, c'est tout, non ?» Je fais « Bah ouais, c'est moi, comment ça va, mec ?» et tout. C'était en France, ouais, c'était en France. Il dit « Ouais, ça va, tranquille. » Oui, bon, Nassim, merci. Et bref. Et là, le mec, il me dit « Ah, c'est toi, Yass ? Eh, sache que j'aime pas du tout ce que tu fais, j'aime pas ton contenu et tout, mais voilà, fallait que je te le dise. » Et je fais « Ah, bah, ok, mec, y a pas de problème, tu vois, genre, je suis pas... Enfin, voilà, je peux pas plaire à tout le monde, ok, y a pas de problème, tu vois, ça m'a un peu déboussolé. Parce que quand même, enfin, c'est la première fois, donc bon, je dis « Bah, ok, mec, tant pis. » Il dit « Non, mais après, tu vois, il surenchérit. » Et il me dit « Non, mais j'aime vraiment pas, hein. Genre, ta communauté de 12 ans, 13 ans et tout, nanana, genre, ça me plaît pas, tu vois. » Il me dit « Ouais, je trouve que t'as rien fait et tout, nanana, sur Internet. » Moi, je lui dis « Bah, mec, t'as peut-être raison, mais tu vois, je me suis jamais vendu comme un gros producteur et tout. Enfin, voilà, quoi. Genre, j'ai rien fait de mal, tu vois. » Et non, il était très sérieux. Il était vraiment très sérieux. Il était très sérieux, les mecs. Il était très sérieux. Et tu vois, il me le redit une troisième fois. Et il me dit, non mais voilà, je préférais être clair, hein. Genre vraiment je t'aime pas, tu vois. Je fais, bon bah mec, c'est bon, j'ai compris. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je te casse la gueule parce que tu m'aimes pas? Enfin, je vais juste, ok mec. Et du coup, bah c'est la première fois que j'ai rencontré un hater. Donc sur le coup, ça, enfin je sais pas, ça m'a pas fait mal au cœur, mais je me suis dit, putain, merde quoi, c'est... Ok, bon bah ça existe quoi, c'est chiant mais bon. Après, moi, je me dis, bah, les gens, ils me regardent. J'ai des gens qui me regardent. Je me dis, s'ils me regardent, c'est qu'ils m'aiment plutôt bien, tu vois. Donc voilà. Ils voulaient faire le show devant ça. Je sais même pas, tu vois. Mais les gars, vous avez 14 ans. Vous avez même pas 14 ans. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils racontent de la merde. Ils racontent de la merde, le mec. Ils racontent de la merde. Vous avez pas 14 ans. Alors, je sais qu'il y en a qui sont jeunes. Par exemple, la dernière fois, au Leclerc de Saint-Martin, dédicace au Leclerc de Saint-Martin. Il y a un petit jeune, il devait avoir vraiment, je pense, 11 ans, tu vois. Il m'a dit « Ah, il y a cette petite photo !» Je fais « Ouais, vas-y, fais-toi plaisir, et après, va faire tes devoirs. » Mais bon, voilà, quoi. Diane Cujo est-il le frère de Grim Cujo? Oui.
Ah voilà, vous avez tous 20 ans, là vous devez venez de rentrer, je pense, la majorité à la fac. Vous venez de rentrer à la fac et tout, tout se passe bien, vous êtes pas des petits les gars, putain, merde. Ah oui. Alors comment s'est passé votre rentrée les gars? Alors c'est atroce, c'est dégueulasse, c'est bien, comment ça se passe votre rentrée? Est-ce que vous avez des potes, changement de ville, j'en sais rien. Putain les gars là, je vous jure, c'est un stream freestyle, je sais pas de quoi parler, je suis perdu ça, j'ai tellement perdu l'habitude. Eh, je préfère être honnête avec vous, j'ai perdu l'habitude de stream, je sais même plus quoi dire. Non, là en tant qu'étudiant, la période septembre elle est incroyable, surtout quand t'arrives à la première année de la fac, elle est exceptionnelle. C'est là où tu commences à rencontrer les gens, t'es dans une nouvelle... Oh merci Sam. Tu rencontres une nouvelle ville, enfin tu découvres une nouvelle ville, t'es avec de nouvelles personnes, ça se trouve t'as peut-être rencontré la meuf de ta vie et tout, nanana, incroyable gros. T'entres à la fac. Sous alcool pendant un mois, ouais, après faites attention, tu vois, faut pas se faire avoir par ça. Parce que les gars, moi je vous le dis, hein. Mois de septembre. Mois de septembre, c'est les soirées d'intégration, c'est ouais, nanana, soirée alcoulisée, à tout va, bref, tout le monde, voilà, c'est pump it up. Faites attention à ça, les jeunes, je vous le dis, parce qu'il y en a, ils s'y perdent, hein. S'il y a des gens, ils sont tout seuls et tout, n'hésitez pas à aller les voir aussi. Ah, ça, tu connais? Non, je connais pas, j'ai pas fait ça, moi. Je mérite mon VIP. Pitié. God Bambi, à quel moment tu mérites ton VIP? Est-ce que God Bambi mérite son VIP, les gars, ou pas? Est-ce que God Bambi mérite son VIP ou pas? Non, voilà. C'est Schlaglang la fac. Bah, en fait, tout dépend. Tout dépend dans quel secteur tu es, dans quel... comment dire? Dans quelle filière? Parce qu'il y a vraiment... Il y a vraiment des filières où c'est Schlaglang. Genre, Infocom, c'est Schlaglang. École de commerce, vas-y, je vous refais pas le dessin, c'est des schlags. Il y a quoi aussi, vraiment, des trucs de schlag. Il y a les droits, je sais pas, lettres, tout ce qui est lettres, psycho, sociaux et tout, j'en parle même pas. Les soirées médecine, infirmière, voilà. Donc vous faites attention à ça, les gars. 26 mois que j'ai la Charles de Histoire, Gaulle. Histoire, je sais même pas. Honnêtement, histoire, je sais pas. Ça te va mieux la barbe rasée? Vous trouvez que ça me va mieux la barbe rasée? Moi j'aime pas du tout. Moi je trouve que j'ai fait une erreur, hein. Je trouve que j'ai fait une erreur de me raser la barbe, hein. On dirait que t'as 18 ans. En vrai t'es frais. Mais en fait j'arrive pas à savoir si vous êtes sérieux ou pas. J'arrive pas à savoir si vous êtes sérieux ou pas, les gars, quand vous dites que je suis frais. Yas, t'as des conseils pour s'intégrer dans un lycée où on est nouveau? Waouh! Un conseil pour s'intégrer dans un lycée alors que t'es nouveau? Waouh! Franchement, y'a quoi comme... Attendez, mais j'ai pas de conseils. Vous avez quoi comme conseil? Au lycée? Franchement, gros, mis à part parler aux gens et montrer que t'es cool... J'ai pas de conseils, hein. J'ai vraiment aucun conseil, mon pote. Ah, moi, je suis minable, hein. Je suis minable dans ça. Ouais, au pire, voilà. Tu vas dans un amphithéâtre, tu vas dans ta classe et tu fais la blague de Ruquier. Tu dis à ta prof, ouais, je vais faire une blague, et tu fais la blague de Ruquier. Et là, y a forcément 2-3 connards qui vont rigoler. Et ils vont dire, ouais, mec, toi, t'es un type, t'as des couilles. Et ça va devenir tes potes. Après, voilà, hein. Tu vas passer pour un bouffon, mais au moins t'auras 2-3 potes. Quelle blague? Vous connaissez pas la blague de Ruquier? Non, mais si, les gars, je l'ai montré 1 milliard de fois, la blague de Ruquier, ça y est. La rentrée lundi à Paris, toujours pas trouvé d'appartement. Comment, c'est, en gros, c'est comment Ruquier... Bah, attends, allez, je vais encore vous la montrer. Voilà. Voilà, vous faites okay, comme foutre humide, voilà. En gros, foutre humide, voilà. Tac, 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 tac. Alors, voilà, si t'as pas de potes au lycée et que tu dis, putain, mais comment je peux faire pour avoir des potes? Ben, tu fais exactement ce qu'il y a sur cette vidéo. Ok, séjour fatidique.
J'ai trouvé l'amphi. L'amphi à 7 à l'île 3, donc c'est parti. Tu fais exactement ce qu'il fait. Excusez-moi s'il vous plaît tout le monde. J'ai la peur 10-25. Alors je suis désolé de vous interrompre pendant votre cours, mais justement je suis venu pour vous donner un peu plus de bonne humeur, pour redonner un peu plus de dynamisme. Et du coup, je voulais vous faire une petite blague, histoire de vous redonner sourire. Donc, je voulais vous demander, est-ce que vous savez comment Ruquier retire sa capote ? Non ? Personne ? Excusez-moi, c'est juste une minute. Voilà, vous faites exactement ça. Au nom du 18-25, c'est pour le 18-25, c'est une petite blague, ça dure une minute. C'est pour vous faire rire, pour vous donner un peu plus de bonne humeur, de joie de vivre. Voilà, exactement. C'est juste une petite blague, ça dure une minute. Pardon ? Une minute, ça va vous redonner... Vous allez voir, prenez vous allez entendre, notes, vous allez être morte de rire. C'est vraiment énorme. Du coup, personne ne sait ? Bon, pétant ! Non ? Voilà, c'est ça la blague. Non ? C'est ça la blague. Bon. Comment Laurent Ruquier retire sa capote en pétant. Voilà, les gars, super, on s'amuse bien. Hein. C'est que franchement, donc si... Ok, bon, bah, je m'en vais. Oh, bah, désolé. Donc, si vous n'avez pas de pote, vous faites ça. Vous faites ça, il y a forcément un connard qui va rigoler. Forcément un connard qui va rigoler. Comment le 18-25 a terrorisé les streamers. Oh putain, je vous ai pas raconté, les gars. Wouah, je vous ai pas raconté, moi, ce qui m'est arrivé. Eh, vous savez que je me suis mangé une menace noire. Eh, je me suis mangé une menace noire de ouf. Ah, vraiment, une vraie menace qui fait flipper, les mecs. Ouah, j'avais oublié de vous raconter ça, je suis un ouf. C'était cet été, en gros, qui s'en rappelle quand je me suis fait hacker mon compte YouTube. C'était en mars, c'était en mars 2023, début d'année, bref, le mec avait hacké mon PC et tout. Ok, bref, on est en juillet, et là, je reçois un mail, mais il est effrayant, mon gars, genre, vraiment, il est effrayant. Et là, le mec, il me dit quoi ? Bref, je traduis, il me dit « Bonjour Yacine, plus mon nom de famille. J'espère que tu vas bien, nanana. C'est moi qui ai hacké ton compte en mars et tout, nanana. Sache que j'ai absolument tous les mots de passe de tous tes comptes. J'ai les screens de tout ce que tu fais. J'ai toi en train de te branler et tout, nanana, devant ta caméra. Pour preuve et tout, j'ai des screens de ton PC et tout, nanana. Genre un truc sérieux, tu vois. » Et le mec, pour prouver qu'il avait raison... Il a envoyé ce mail à moi, Batmail, que j'ai actuellement, et à tous les mails que j'ai utilisés dans ma vie. Mais genre des mails que même moi, j'avais oubliés, ça fait 10 ans. Il me dit, ouais, si tu veux pas que tout soit divulgué, t'as 24 heures pour m'envoyer 2000€ en Bitcoin. Et là, je commence à flipper, tu vois. Je me dis, putain, merde. Je dis, le fils de pute. Je fais, il m'a en train de me branler et tout, putain, l'enculé, merde. Et après, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, bon, vas-y, de toute façon, le streaming, j'ai tout donné. Franchement, j'ai dit comme ça, j'ai dit le streaming, j'ai tout donné, Twitter, j'ai plus rien à dire, Instagram, j'ai plus rien à raconter, je dis, vas-y, il diffuse, c'est la fin de ma carrière, et de toute façon, vas-y, tout le monde se branle sur son PC. Tout le monde se branle devant son PC. Ceux qui disent non, c'est des acteurs. Voilà, je vous le dis. Ceux qui disent non, c'est des acteurs. Je dis, bah vas-y, tout le monde le fait. Si c'est diffusé, bah vas-y, bah tant pis. Et je l'ai pas payé. Et au final, il s'est repassé. Et là, vous dites non. Mais là, vous dites non. Mais parce que vous êtes juste des gros putains d'acteurs, les mecs. Vous êtes juste des gros connards d'acteurs. J'ai juste dit non. Et au final, bon, bah, est-ce qu'il y a eu une vidéo de moi qui est en train de me palucher, de me lustrer le truc ? Non. Bon, peut-être que ça va arriver un jour. Mais voilà, sur tel, c'est plus rapide. Ah ouais, mais vous, vous êtes loin. Donc, il a vraiment des screens de toi qui te branlent. J'en sais rien, moi. S'il a des screens de moi qui se branlent, ben, il a qu'à les regarder. Bizarre de qu'il regarde mes trucs, lui. Vraiment. Pfut, il a eu cette menace. Mais même Tuffer, il a eu cette menace. Parce que j'en avais parlé à Tuffer, il a eu cette menace. Wesh, d'ailleurs, c'est dinguerie, Tuffer, ce qui lui est arrivé. Vous avez vu ce qui s'est passé au pauvre Tuffer. C'est de la folie ce qui lui est arrivé là, lui. S'il s'est fait. Son daron, il s'est fait braquer. Son daron, enfin, il s'est fait enlever son daron et tout. De la folie, wesh. Tu te rends compte, Internet, comment ça va loin?
Putain de merde, il y a eu un article. Ouais, il s'est fait kidnapper. Par contre, il est pas pauvre. Oui, merci. Je sais que Tuffer n'est pas pauvre. Neza, pour, merci pour la... la... pour... d'avoir, merci d'avoir précisé, connard. J'ai déjà reçu ça, c'est du hameçonnage parce que je me suis jamais branlé. Tu vas au GP Explorer, mes frères. En fait, explique-moi, s'il te plaît, qu'est-ce que je ferai au GP Explorer. C'est une vraie question. Qu'est-ce que je fais au GP Explorer? C'est une vraie question. Qu'est-ce que j'ai à faire là-bas? J'ai rien à faire au GP. Pour aller au Mans, j'ai rien à faire au Mans. J'ai rien à faire avec les gens qui sont là-bas. Je n'ai rien à faire. Je n'ai juste rien à faire au GP Explorer. Je suis bien chez moi. Je suis bien chez moi ou à La Rochelle, mais c'est tout, frère. T'agites les drapeaux. Je les agiterai chez moi, les drapeaux. C'est tout. Vous y allez, vous, au GP Explorer? Tu préfères la branlette. Bâtard, t'es pas venu à ma soirée à La Rochelle, mais tu es qui, mec? Qui es-tu, mon gars? Qui es-tu? C'est ça la véritable question. T'as maigri, mais non, je suis pas maigri. Par contre, il y a un truc qui m'intéresse, et ça c'est vrai, c'est la Coupe du Monde du rugby. La Coupe du Monde du rugby qui commence vendredi, France-Nouvelle-Zélande, tu vois, ça c'est un truc qui me parle. Ça c'est un truc, j'aimerais pas y aller. J'aimerais bien y aller, pardon. Ça m'intéresse vraiment. Rien à foutre, mais je sais que vous en avez rien à foutre du rugby. Je sais très bien, je connais même pas les règles. Bah oui, même moi je les connais pas. Hein. T'as regardé l'UFC Paris? Ouais, j'ai regardé l'UFC, mais je connais rien de l'UFC. J'ai juste vu, tu sais, j'ai regardé pour Morgan et pour Gann. Hein. Sinon, moi, j'y connais rien à l'UFC. Tout ce qui est jab. Attends, c'est quoi les termes de MMA là? Il y a le jab, il y a le kick, il y a jab, kick, étranglement. C'est tout. Je connais que ça. Hein. Low kick, grappling, voilà. Je connais rien du tout. Je connais rien du tout. Non, pas qui que celui que vous pensez. Le hook. KCX, tu vas y aller? Je pense KCX, je vais y aller. Par contre, je pense que KCX, je vais y aller. Oh non, putain. Elle est full option, Hermès, Gucci. Oh, ça va être trop long, là, le don. Ah, j'ai trop la haine. Elle fait craquer les USV et les gros cochons. Elle aime que les grandes villes, Monaco, Marbella, Chanel, Valentino ou Maison Margiela. Fait gaffe, comme un calibre, elle peut t'enlever ton... Mais c'est insoutenable. Hein. Mais c'est irrespirable. Là. Mais la chanson par pitié, non, les mecs, ça fait un siècle que je n'ai pas... Allez, pff, oh là, vous voulez pas évoluer, putain. Même moi, j'ai pas envie.